Voici trois objets que je n'emporte plus avec moi lors de mes treks. Ce sont trois objets que j'ai pris lors de mon tout premier trek et avec le temps, j'en ai enlevé un, puis un autre et encore un autre et je me suis passé finalement de ces trois objets et maintenant, j'en ai plus besoin. Alors, tout d'abord, c'est un bonnet. Sachant que à l'époque aussi je partais avec un bœuf, enfin tour de cou. Et donc forcément, euh, c'est qu'en fait je connaissais pas encore le trek puisque je n'en avais jamais fait et je m'étais dit toujours si jamais il fait froid, etc., etc. Au moins je peux mettre le bonnet sur la tête et en même temps le tour de cou et au moins j'aurai pas froid. Plus la doudoune, plus la polaire, etc., etc. Finalement, lors de mon tout premier trek, je l'ai jamais mis. Il faisait quand même euh, pas si chaud. Enfin, il faisait en même temps froid autour des 8 degrés dans la nuit. Donc entre guillemets, c'est pas très froid non plus. Et je l'ai pas mis. Et après, je... après je l'ai plus jamais repris. Mais je me suis dit, tu vas tenter quelque chose, Thibaut. Tu vas pas le prendre. Tu vas voir si ça le fait. En plus, le tour de cou, tu sais très bien que tu... si tu as froid à la tête, tu peux le mettre sur la tête. C'est pas vraiment fait pour de base, mais ça le fait très bien. Et donc euh, après je suis reparti sans ce bonnet. Hop. Et même une fois bah, j'étais jusqu'à 4 degrés et je ne l'ai pas pris. Et ça allait très bien. Et à partir de ce moment du coup bah, je me dis bah, en fait il ne sert à rien. Je parle bien des treks en été. Évidemment lorsque je pars en hiver, je n'ai pas fait de trek en hiver. Mais lorsque je pars en hiver, même à la journée, je le prends parce que c'est quand même euh, important de ne pas perdre trop de chaleur, parce qu'on perd énormément de chaleur par la tête. Mais en été, bah, pour 4 degrés, en tout cas avec euh, l'équipement que j'ai à côté, eh bien, sans bonnet, ça le fait très bien. Et si vraiment j'ai froid, j'ai quand même mon tour de cou que je peux mettre sur la tête et ça le fera très bien. Un autre item que j'ai enlevé, c'est celui-ci. Alors en fait, ce n'est pas vraiment euh, celui-ci, c'est plutôt un autre c'est en fait un T-shirt de rechange. Avant je partais avec un T-shirt de rechange, je me suis dit au bon, moins si je lave l'autre pendant ce temps pendant qu'il est mouillé, je mettrai celui-là, etc, etc. Et puis je m'étais dit on sait jamais parce que je connaissais pas encore le trek. donc je l'avais pris et maintenant en fait euh, je ne le prends plus parce que je peux toujours me débrouiller et même en réalité c'est que j'avais jamais fait aussi des treks de plus de 4 jours en tout cas à l'heure où je vous parle, et pour 4 jours, c'est pas grave de ne pas prendre de t-shirt de rechange. C'est bon, on peut faire un effort. Même pour un trek qui durera à mon avis plus longtemps, je n'en prendrai pas. Parce que tout simplement, si je lave l'autre, bah, je vais partir souvent en trek en été. Parce que c'est là où il y a les vacances. Ou c'est là où c'est quand même le mieux pour faire de la randonnée. En tout cas, en moyenne et plutôt haute montagne même. Et donc en été, même s'il fait pas toujours très chaud en montagne. Avec l'effort, eh on peut quand même vite transpirer, vite euh, dégager de la chaleur avec euh, notre corps et sécher très vite le t-shirt sur lequel euh, il était mouillé parce qu'on l'avait lavé. Donc ça le fera très bien. Donc finalement, je me suis dit, bah, en fait, ça ne sert à rien, même si ça pèse que quelques grammes en plus. C'est toujours ça de gagner. Enfin, j'étais parti avec une polaire. Alors là, c'est une polaire froissée euh, décathlon de base qui coûtait vraiment pas grand-chose et au début, donc, euh, je m'étais dit si je vais avoir froid, on ne sait jamais. J'ai eu ma doudoune euh, très MT100 de chez Decathlon. Et lors de mon premier trek, donc, je la mettais réellement. Et même en soi, elle est quand même pratique. Mais elle pèse quand même 300 grammes. Et c'est toujours un apport de chaleur en plus. Mais après, je me suis dit tu vas tester 100. Et j'ai testé 100 juste avec la doudoune. Donc je mettais le t-shirt, la doudoune et le coupe-vent. Et j'allais voir si ça marchait. Et en fait, ça le faisait aussi. J'avais plus froid, je l'avoue, parce que du coup il faisait aussi 7 degrés lorsque je l'avais plus prise. Mais après, bah, ça faisait toujours 300 grammes de gagner dans le sac à dos et je m'étais pas mis en danger. De toute façon, si j'ai réellement très froid, euh, j'ai mon sac de couchage qui est confort zéro. Et donc là, après, je n'aurais pas de problème. C'était un confort en plus. Mais un confort de 300 grammes, euh, un confort pendant que je suis en statique, même pour marcher, je marche, même s'il si fait très froid, je peux marcher quand même en t-shirt, ça ne me dérange pas. Mais euh, donc, ça c'est un confort au camp, mais après, c'est 300 grammes en plus à porter dans le sac à dos. Et donc, euh, je peux m'en passer en tout cas, je trouve, parce qu'avec la doudoune, ça suffisait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté donc ces trois items que j'emportais avec moi au début et que je ne prends plus. J'espère que ça vous permettra aussi de faire peut-être du tri dans vos affaires si vous en prenez trop à votre goût. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine.